Coucou les chats, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme on est samedi. Alors, donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo, donc sur ce livre là que j'ai terminé, Je c'était love, que j'ai reçu pour mon anniversaire, voilà. Et dès que je l'ai eu, donc je l'ai commencé, et après, je pouvais pas le... Je le finissais, je lisais entre 10h et 3h, enfin tout ça, voilà. Donc en fait, ce livre, il a... Attendez, parce qu'il est énorme. Donc il a... 77 pages. Donc je vais vous lire le résumé. Il s'est juré de la séduire, mais elle le déteste. Et si au-delà du jeu se cachait un véritable amour, Calice. Il a fait une irruption dans ma vie, telle une sangsue. Ouais. Il est superficiel, arrogant, mais putain, il est trop craquant. Kaden, elle est la fille que je désire le plus au monde, sublime avec ses défauts. Je ne désire qu'une chose, l'aimer. Ses deux étudiants en dernière année à l'université vont voir leur vie bouleversée. Deux caractères bien différents, mais qui se relient par le seul et unique sentiment du défi. Ils vont jouer à un jeu dangereux où se mêlent plaisir et passion. L'un veut lui prouver qu'il s'est sont faits pour être ensemble et qu'il n'est pas un donjon. L'autre joue sans vouloir accepter ses réels sentiments. L'amour... c'est sympa. L'amour est-il vraiment comme le jeu l'ordonne? Une série de défis vont amener Calice et Kaden à découvrir que l'amour n'est pas qu'un jeu. Serez-vous cap ou pas cap d'embarquer dans leur histoire? Alors moi, j'ai été cap à... Et franchement, je regrette pas de l'avoir lu, hein. Il est trop bien. Surtout que, alors, je vais vous faire une chronique. Donc en fait, il est écrit par deux auteurs, donc Emily et Caroline C. Donc en fait, Caroline C, je la connaissais pas hein, du tout. Je l'ai découvert grâce à ce livre. Et Emily, j'étais livre à elle comme Be Love et c'est tout. Voilà. Donc du coup, voilà, ma chronique, j'ai trop aimé, même plus qu'aimé, j'ai kiffé l'histoire. Franchement, en fait, voilà mon chat. Donc en fait, quand on arrête sur un chapitre, on peut découvrir la suite parce qu'il y a du suspense, enfin, il y a tout ça. Et il y a des chapitres qui m'ont fait pleurer. À certains moments, hein, voilà. Je vais pas vous spoiler parce que voilà, mais il y a des chapitres qui sont très et qui sont durs et qui m'ont fait pleurer. Voilà. Et mais sinon, il est bien, ça se termine bien à la fin. C'est ce que je voulais en fait à la fin. Ce que j'avais parlé à Caroline C, je lui dis, et même à Emily, je lui demande, est-ce qu'ils vont être ensemble et tout. Moi, j'y croyais et tout. Et voilà quoi, c'était ce que je voulais, ce qui se passe à la fin, et ça se réalise. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Si vous le voulez, il est chez Aramo Éditions et... Il coûte 18 euros ou sinon vous pouvez demander à Emily ou Caroline C qu'elle vous fasse une dédicace. Ou sinon vous pouvez l'avoir sur Amazon en format Kindle, donc pour tablette. Et en format broché, donc comme j'ai en livre papier, voilà. Et dedans il y avait ça. Donc ça, c'est Emily qui l'a fait avec ses mains. Donc en fait, c'est un marque-page hein, pour ceux et celles qui savent pas. Moi, au début, je savais pas à quoi ça servait. Mais c'est un marque-page. Et là, il y a un petit cœur.
Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, attendez, là il y a un petit cœur, et là, et là-bas, le côté, il y a un cadenas. Je sais pas si vous allez bien voir la cam. Voilà, donc il y a un cœur et un cadenas, et les bandeaux sont rouges. Et l'autre, il est blanc à étoiles. À étoiles rouges et grises. Donc, franchement, voilà. Voilà. Donc, j'ai cet élève, si vous le voulez, en dédicace, demandez aux auteurs, donc à Émilie ou Caroline C, sur Facebook. Vous pouvez leur demander. Ouais, sur Facebook. Ou sur WhatsApp, ou sur Wattpad, ou voilà, c'est tout. Et si vous voulez vraiment le lire sans la dédicace, et bah, vous le commandez soit sur Amazon, soit sur Amazon, et je dis quoi l'autre, c'était Aranmo Édition. Voilà, c'est la maison d'édition Aranmo. C'est leur maison d'édition. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'avais que à vous présenter par ce livre, cette chronique. Donc, que j'ai fini en quelques jours. Voilà. Parce que je l'ai reçu au mois de mai et je l'ai fini bah, au mois de mai aussi. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye, mes chats.